Une chose qui est importante à définir selon moi, c'est le fait que les choses que tu possèdes, elles finissent par te posséder. C'est une citation de Tyler Durden dans Fight Club, et par ça, il veut dire que laisser en fait le... Comment dire ça? Par laisser les objets nous définir. Et en ce sens-là, c'est eux qui nous possèdent. Un truc tout simple, il y a beaucoup de personnes qui vont... qui vont travailler dans un métier qu'ils n'aiment pas, ils vont faire quelque chose qu'ils n'aiment pas pour pouvoir acheter un iPhone, pour pouvoir acheter une voiture, et qui pourront utiliser finalement, par exemple la voiture, tu peux l'utiliser que le pour aller au travail. Donc tu vas acheter, tu vas travailler pour un métier que tu n'aimes pas pour obtenir une voiture qui te permettra d'aller au lieu de travail que tu n'aimes pas. Et du coup, c'est ça qui est triste. Et en fait, quand moi je dis qu'on cherche la richesse, je dis pas ça, c'est pas le but en fait. C'est un objectif, mais c'est pas le but. Le but, c'est obtenir la liberté pour pouvoir devenir la meilleure personne possible, pour pouvoir progresser, se développer. C'est en ça que la richesse est importante. Et en fait, la richesse, elle te permet d'obtenir les trois libertés. La liberté financière, donc ne pas être l'esclave de qui que ce soit, parce que tu as les moyens de vivre comme tu veux. La liberté temporelle. Avec l'argent, tu peux acheter du temps, et le temps, il n'y a pas plus important. Et la liberté de lieu. Si tu as les moyens, tu peux vivre où tu veux. Et c'est très important dans le monde dans lequel on vit, où tu peux être cancel, tu peux être brimé par une population sans raison. Le pouvoir de pouvoir aller où on veut, quand on veut, avec qui on veut et comme on veut, c'est inestimable. Là, c'est d'une valeur inestimable. Voilà, je pense que j'ai fait passer mon message. Tout ce que j'ai à dire maintenant, c'est deviens ce que tu es.